Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur Vidéo Modeling, bienvenue dans la dernière partie de l'Alfa Romeo. C'est la dernière aujourd'hui, il y aura le slideshow en fin de vidéo, je vous ai mis quelques petites photos du modèle terminé. Et on attaque tout de suite donc cette vidéo par la mise en vernis. Je ne sais pas si ça se dit la mise en vernis, mais enfin bon, on fait le vernis de la carrosserie. Et vous avez vu des gants neufs. Ouais, c'est chambré là-dessus sur les commentaires. Je comprends pas pourtant, mes gants étaient tout neufs. Donc ici pour le vernis, j'utilise du Mr. Robbie. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, il me semble, ou pas. Donc c'est du Mr. Robbie, super clear, vernis brillant, du gloss, enamel. Voilà, c'est pas de l'acrylique, c'est du vernis enamel. Donc trois couches, première couche fine, deuxième couche, bah, c'est l'intermédiaire, hein, ni trop fine ni trop chargée, et la troisième couche, bah, ça sera la couche mouillée, et là c'est là où on va venir chercher le brillant. Alors à noter qu'entre, comme d'habitude, entre chaque couche, je laisse sécher et je viens poncer si besoin est les petites poussières, les petites imperfections qui auraient pu se déposer sur le vernis. Alors, je suis désolé, tellement pris dans ma séance de vernis que j'en oublie de cadrer. Donc je sors légèrement du champ. Donc voilà le résultat, 5 jours plus tard, hein, j'ai attendu au moins 5 jours que le vernis sèche bien à cœur. Bon, on a un beau brillant, hein, ce vernis là est plutôt pas mal. Il sèche très vite, en surface en tout cas. À dépolir, ben, y a pas de souci non plus, hein, il se dépolit très bien. Donc j'y vais là ici comme d'habitude avec du, ben là c'est du P8000, où j'ai utilisé du P8000 directement parce que bon j'avais quand même déjà un beau brillant, donc je suis pas descendu plus bas dans le grain. P8000 et ensuite je passe directement aux 3 compounds, le Coarse, le Fine et le Finish. Alors petite précision pour le P8000, c'était un ponçage à l'eau, hein, c'était pas sec, c'était un ponçage à l'eau.
entre chaque compound, je nettoie aussi la carrosserie, hein, pour bien enlever toute la pâte avant la prochaine. Ça évite de se retrouver avec du grain un peu plus épais quand on passe du fine ou du finish. On en profite également pour enlever toute la pâte qui aurait pu se loger dans les lignes de structure aussi. Et pour finir, moi c'est mon petit truc à moi, j'aime bien passer un petit coup de polish sur mes carrosseries. Bon, c'est du polish que j'ai acheté en grande distribution. Ça doit être un polish un des moins chers en plus. Ça remplit parfaitement son rôle, c'est très bien. Ça peut remplacer la wax. Pour ceux qui ne voudraient pas se ruiner avec de la wax de chez, par exemple, Tamiya, qui coûte quand même assez cher pour la petite fiole que c'est. Enfin bon, on fait quand même un bon bout de temps avec la petite fiole. Parce qu'il faut en mettre vraiment très très peu de la wax. Mais bon, là, le polish, c'est quand même une alternative à la wax. Et ça coûte pas bien cher le bidon. Donc bah voilà, je suis bien content, ça brille bien. Il y aura encore une couche, personnellement, comme j'ai de la wax, je vais en passer encore une couche à la fin du montage. Ensuite on passe au contour de fenêtre. Alors je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je voulais faire ça à la fin. Je trouve qu'on est un peu plus serein une fois le vernis posé. Voilà, si on déborde, c'est pas grave. Un coup de coton-tige, on retire et ça fixe pas sur la peinture, quoi. C'est quand même une petite sécurité d'avoir le vernis. Donc ici j'y vais avec de l'énamel Revel, du noir satiné. Alors je préfère au pinceau quand même utiliser de l'énamel, c'est plus facile à appliquer et ça couvre un peu mieux que l'acrylique. Ensuite, je viens peindre les baguettes qui vont venir se coller sur le bas de caisse en noir satiné. Alors là, j'utilise de l'acrylique puisque je diffuse à l'aérographe. Deux stickers métal à venir coller sur le pare-choc arrière. Alors il faut les couper à la bonne taille, c'est du 2 cm par 1. Bon, Tamiya nous fournit dans la boîte un bon morceau, et on a même encore un petit peu de rab. Faut pas trop se couper non plus, quoi, mais bon, on a de quoi faire nos deux pièces. Oui, là j'ai fait un petit accro sur la partie noire du bas de caisse, c'est pas grave, j'en prendrai ça après à la peinture. Ici je viens peindre en Valero argent, donc le fond des... je sais pas comment... ouais, c'est le réflecteur des phares arrière, en fait, si on peut appeler ça comme ça.
Là, je viens peindre l'intérieur donc en noir, noir satiné. Alors, c'est pas noté dans le manuel, aussi bien ça doit rester en orange, mais bon, comme j'ai fait les tours de fenêtre, les tours de vitres, les joints des vitres plutôt, et comme j'avais bien débordé à l'intérieur, ça m'emmerdait un petit peu de reprendre tout en orange. Donc j'ai décidé de tout peindre en noir satiné. Ensuite, je viens coller les vitres, donc qui sont d'une seule pièce. Hein. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle sur les montants là à l'intérieur. Puis je rajoute un petit cordon de colle gel, histoire de quand même que ça ne se décolle pas une fois le tout assemblé, ça serait dommage. Et enfin, l'assemblage final, hein, on va venir mettre le châssis sur la carrosserie. Ensuite, je vais venir mettre le capot, le pare-choc. Et tout de suite après, vous allez avoir le slideshow, les photos du modèle terminé. Moi, j'en profite pour vous dire tchuss maintenant. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain montage qui sera la Méhari qui va prochainement débuter. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce modèle Alfa Romeo 155 V6 Jaguar Master. Je vous souhaite une bonne soirée. En attendant, portez-vous bien et je vous dis tchuss.